Bon les gars, je crois que je suis en train de me mettre dans un bourbier. Je sais pas s'il y a des golems qui étaient déjà là il y a 4 ans sur ma chaîne YouTube, mais en gros, j'essayais de faire des exos PAPM sur des anneaux. Et là, j'ai quasiment aucune marge, et comme un déficient mental, je me suis dit, bon, pourquoi pas tenter. Je peux vous poser une question. Pourquoi faire? Bon, les gars, vous avez l'habitude, maintenant, c'est une chaîne de Gaulemont. Mais moi, le roi des Gaulemonts, je ne suis pas ici pour réfléchir, je suis seulement là pour le divertissement. Et aussi parce que j'ai envie de vous proposer des contenus différents assez régulièrement. Bon, voilà, c'est un petit peu comme quand tu regardes les Teletubbies. Un coup, t'as envie que ça soit Deep Sea, un coup, Tinky Winky, un coup... La la, la la. Pardon. Ah mais voilà, moi en tout cas, j'ai envie d'avoir une chaîne un minimum diversifiée. Je crée pas mal de contenu, alors forcément, il faut que je me mette dans la sauce. Bon, même si on va pas se mentir, je le fais quand même quasiment à chaque vidéo. Et en tout cas, ce qui me fait plaisir, c'est qu'à chaque nouvelle vidéo, il y a des nouveaux abonnés, mais pas assez. D'accord? Il faut que ça clique, les gars. Il faut que ça matraque le bouton s'abonner. Mon objectif ultime à moi, c'est d'atteindre un jour les 10 000 abonnés. Alors j'ai besoin de vous, donc mets ton gros doigt de pied sur le bouton s'abonner. Et pour ça, il n'y a pas 36 000 solutions. Tu dois m'aider à référencer la vidéo. Allez, je vous laisse découvrir cette petite vague d'exo PM. Bon allez les gars, on est parti. Je vais vous le montrer ici, j'ai vraiment très peu de marge. J'ai déjà prévu 10 petits items qui sont déjà soigneusement préparés. Pour vous dire à quel point j'ai quasiment aucune marge, c'est qu'il me reste seulement 10 M en HDV, 11 M sur moi. Et au niveau des runes, ça c'est pareil, j'en ai pas énormément. J'en ai pour 6 millions quand même. Donc on va dire que j'ai une petite marge de sécurité d'environ 26-27 millions. Et quand tu fais des tentes exo, c'est pas véritablement beaucoup. Donc on va espérer quand même avoir un peu de luck. Je vais pas vous mentir, j'ai jamais vraiment eu beaucoup de chance sur les exos. C'est pour ça que je le fais. Non, ça marche pas comme ça. Bon, en gros, je vais essayer de vous expliquer très rapidement. Là, on est quand même sur Orukam. J'ai lancé il y a pas très longtemps de ça. Un objectif 1 à 100 millions, j'ai réussi à atteindre les 40 millions avec l'aide de ma communauté et quelques petites astuces que j'ai pu faire moi-même. Donc là, j'arrive à un stade où mon patrimoine, puisqu'on peut parler de patrimoine, s'élevait à peu près à 40 millions de kamas. Évidemment, 40 millions, les gars, c'est beaucoup trop pour mes petits yeux. Donc il fallait que je les crame dans quelque chose. Donc je me suis dit, pourquoi pas tenter des exos PAPM. Ça part aussi d'un truc que j'ai fait ce matin où j'ai eu un brisage rentable sur des petites bottes. Voilà, donc j'ai fait pas mal de marge et je me suis dit au début, tiens, je vais faire des géanos PAPM. Non, j'ai un OPAPM, c'est moisi, j'ai tout le temps perdu des camas dessus. Cette idée m'est sortie rapidement de la tête et je me suis chauffé à prendre 10 petits items, 10 anneaux ici que je vais gentiment essayer d'exo-PM. Donc ici, il y en a 10. Bien sûr, je vais faire la vague de 10. Ensuite, je vais essayer de les remonter tranquillement. Je vais en faire, je pense que je vais faire 3 vagues, les gars. On verra ce qui se passe. Je vais voir combien de temps ça me prend parce que vous l'aurez compris, mais j'essaye quand même de charbonner pas mal en ce moment. Je fais une vidéo par jour à peu près, donc entre le montage que je vous propose plus ce que je dois proposer in game, les gars, c'est tout le temps assez ricrac avec ma vie perso aussi. Et vous en avez sûrement rien à foutre, vous voulez juste voir les exos, donc on va commencer rapidement. En tout cas, j'ai besoin de vous dans les commentaires aussi pour me dire si vous voulez que je continue. Si par exemple au bout de 30 tentatives j'ai rien passé, vous me direz, voilà, est-ce que vous voulez que je recommence? Voilà. Donc là, il n'y aura pas beaucoup de vannes non plus dans cette vidéo parce que je suis stressé. Le fait que je suis stressé est en partie à cause du fait que j'ai un personnage, par exemple ici, qui n'est absolument pas stuff et qui a seulement un bouclier tourné seul. Ça, c'est pour vous dire la marge que j'ai sur le jeu. Donc, bref, j'ai monté des petits items. Bien évidemment, c'est monté à ma sauce, donc ça va pas être des trucs de fou. Si vous voulez voir de la vraie forge magie, vous allez sur la chaîne d'Albirex, vous allez sur la chaîne de Grifox, mais ça sera pas ici, d'accord? Ici, on va juste chercher à faire un exo PM, et voilà, on va pas non plus chercher l'excellence maximale. Donc, voilà. Donc, ici, ce qu'on a, nous, c'est qu'on a deux anneaux Volcorn, deux Pilosters, un anneau possédé, je sais pas pourquoi je l'ai acheté, je pense que je vais vite le regretter, un anneau Reuss, un Bruce, une Glourse, deux pas de greffe. Et je pense qu'on est déjà bien. Donc ici, ça va être des vagues de 10, comme je vous l'ai déjà dit. Et les gars, franchement, là, je pense que je vais faire une trentaine de tentats. Je pense qu'il va y avoir aucune réussite, mais c'est pas grave. Il faut tenter. Donc, on est parti. Ça fait si mal, en fait, de voir ça baisser tout de suite. Bon, bref. Le Volcorn, c'est pas passé. On passe au Pilosters ici. Alors, vous me direz dans les... dans les commentaires, quels jets sont pas trop mal. Ici, je pense qu'on est quand même sur un jet relativement bien. On a une ligne de 9 dommages. Alors, je garantis pas que ça sera tout le temps 9 dommages. Des fois, ça sera peut-être 8.
Les résistances, pour moi, c'est important de les avoir à 10. Les crits, évidemment, la PO, évidemment, la vitalité, un minimum de 290. Et la puissance, je pense, un minimum de 45. Donc, voilà, ça, c'est déjà mort. Hop, on va pouvoir enchaîner le deuxième vol. J'ai failli me faire avoir. Hop là. Donc, on a un deuxième Volcorn ici qui est beaucoup moins bien. On a moins de vitalité, un dommage de moins. Mais écoutez, c'est quand même le beau jeu. Donc, on le tente. On va tenter le premier pas de greffe. Le premier pas de greffe est plutôt pas trop mal. Il manque un de crit. On a les crits sinon, les dommages. Il manque un petit peu d'intel. Mais écoutez, je prendrai quand même si jamais c'est possible. Voilà, donc là, ici, c'est pas passé, évidemment. De toute façon, il y a très peu de chances que ça passe, finalement. C'est pour ça que je le fais. Voilà, j'ai vraiment aucune marge. Je sais même pas pourquoi je tente des trucs comme ça, les gars. Il faut savoir que sur Orukam, quand on passe un exo, je pense qu'on doit être sur du... Là, dans les items que j'ai, de 5 à 10, 11 millions, peut-être. Donc, j'ai quand même un peu de marge au niveau des tentatives. Mais non, pas non plus une folie... Pas non plus une marge de fou furieux, quoi. Donc là, pour l'instant, j'enchaîne. J'avoue que je sais même plus ce que ça fait de voir un exo pop. Donc... Ah, ok, j'ai carrément perdu un dommage. Oh, la dinguerie. Oh, j'avais même pas... Oh, le golemon de première, j'avais même pas vu qu'il manquait tous les dos neutres ici. Bon, je vais leur monter un peu à l'arrache, les gars. Vous m'en voudrez pas. Hop, hop. Est-ce que je le tente comme ça? Non. Hop, hop. Si je monte à 68, si je passe la rune... Ah non, je peux pas laisser ça comme ça. Là, par contre... Ok, bon. Si ça passe ici, j'arrête la vidéo. Ok, nickel. Donc, qu'est-ce qu'il va nous rester? Les Volcorns, c'est bon. Les pas de greffe, c'est bon. Ouais, celui-là, c'est bon aussi. Le Pilostère ici... C'est fait. L'anneau Reuss ici, ça peut être intéressant. On a un 12 dommages, les lignes de résistance, les critiques. Hop, voilà, nickel. Hop. Et là, il va pas me rester beaucoup d'anneaux, je crois. Le Bruce, c'est fait. Alors, les gars, je suis paumé, c'est lunaire. Il va me rester ici la petite alliance Glours. Voilà, toujours sympa. Qu'est-ce qu'il va me rester ensuite? Il va me rester seulement, je crois, l'anneau possédé. Alors ça doit être l'item qui coûte le plus cher lorsque ça passe, bien évidemment. Donc là, on a fait nos 10 premiers items. Écoutez, les gars, bah, moi, je vais essayer de remonter la run et puis on parlera un peu moins sur la deuxième vague. On va essayer d'enchaîner un peu plus vite. Ok, les gars, on est parti pour la deuxième tentative, en tout cas la deuxième vague. Donc là, je sais pas trop combien de temps j'ai mis à remonter ça, peut-être une vingtaine de minutes. Donc on va voir, les jets sont un peu moins bien... que la première vague pour certains items. Là, vous voyez, par exemple, la Novolgorn, j'ai galéré, il m'a pris peut-être 10 minutes à lui tout seul. C'était un enfer, donc voilà, je vous laisse constater les jets par vous-même. Celui-ci est quand même vraiment pas mal. Hop, yes. C'est vrai que ça part assez vite à la poubelle, quand même. On a un taux de frustration qui est quand même extrêmement élevé lorsqu'on fait des petites tentatives exo, il faut le dire. Il faut le dire, c'est quand même une activité sur le jeu qui est véritablement frustrante. Tu passes 10 ans à monter un pauvre item et il se fait déglinguer en un clic, c'est lunaire. Donc, bon, moi, je vais... En tout cas, ce que je vais essayer de faire, c'est pourquoi pas faire ces vagues-là sans éclater mon ordi. Je pense que déjà... On partirait sur une bonne base. Vous voyez, là, en fait, j'ai parlé à peine... ça fait une minute. Ça fait une minute que je parle. J'ai déjà bousillé, ma deuxième vague. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais une nouvelle fois remonter ça. Je vais, je pense, passer à la caisse, comme on dit, histoire de racheter encore pas mal de runes. Parce qu'en fait, c'est vrai que ça se vide extrêmement vite. Donc, à tout à l'heure. Bon, les gars, je viens de remonter ma toute dernière vague, en tout cas, d'anneau. Ça veut rien dire, je suis en train de perdre la boule. Là, en fait, je suis en train de lutter contre l'envie irrépressible de mettre, en tout cas, d'insérer mon crâne dans l'écran. Alors, j'ai deux écrans. Donc, je peux très bien faire un et puis deux, ça c'est l'un de mes plus grands rêves actuels en tout cas. C'est vrai que je déteste faire ça.
finalement, voilà, je me rends compte, alors que j'ai remonté seulement 2 vagues, je perds le compte, je perds la boule, j'ai l'impression d'être un petit peu attaqué par une sorte de virus intellectuel. En tout cas, ça me détruit le cerveau. Donc, voilà. En tout cas, on espère que ça va passer là. J'espère, en tout cas. J'arrive plus à parler. Si ça passe là, il y a un monde où je remonte juste les items et je replace tout ça en vente. Mais en tout cas, les gars, croyez-moi. C'est que maintenant que je me suis lancé, alors je ne suis qu'au début, j'ai envie de voir ce petit PM Pop juste en bas, ici. Ok. J'aurais tenté. Ça me ferait le plus grand des biens. C'est quelque chose qui me donne extrêmement envie dorénavant. C'est une envie particulière, assez compliqué à avoir, rien n'est impossible. Vas-y, passe, la vie de ma mère, ça commence à me tendre d'une puissance monstrueuse, les gars. Allez, je t'en supplie, fais pas le... C'est déjà fini, non? Oh non. Oh non, me dis pas que c'est déjà fini. J'ai déjà tout liquidé, là? Arrête. Non. Attends, il est pas trop attaqué, ce jet-là. Attends, on est bien, là? Ou alors mes yeux sont en train de devenir complètement... complètement fou, mais est-ce que je l'avais déjà fait? Ah non, je l'avais pas fait, bah hop. Bon, les gars, je peux pas rester sur ça, je vais vous faire une dernière try, c'est pas possible. C'est pas possible d'en être arrivé jusque-là, tant d'épreuves mentales, tant de douleurs psychiques. Je vous fais une vague supplémentaire, les gars. Allez, on est parti, les gars, pour la 4e vague, tout simplement. Je ne vais pas faire de parlotte pour rien dire. En tout cas, c'est ce que je suis déjà en train de faire. Je vais enchaîner, les gars, je suis à bout de nerfs. Je viens de constater, de reconstater, pourquoi est-ce que après 4 années, j'avais arrêté de faire des exos. Les gars, c'est tout simple, c'est parce que, en fait, je déteste ça. Qu'on se le dise, en fait, je n'aime pas faire ça. Voilà. Je n'aime pas faire ça et je le fais quand même. Et une fois que j'ai commencé, je ne peux quand même plus m'arrêter. Alors, vous allez me dire, c'est quand même assez étrange de se forcer à faire des choses qu'on n'aime pas. Oui. Oui, complètement. Parce que vous voyez, là, je viens de terminer. Je viens de terminer, j'ai quand même envie de recommencer à monter une vague. Voilà, je ne peux plus m'arrêter. Qu'on soit bien clair entre nous. Hop. Ok. Ah ouais, ça aurait été malaisant. Hop. Oh, je suis en train... Ouais, là, il n'y a plus vraiment de fil conducteur ici. J'ai même pas envie de calculer. Hop. Voilà, hop. Là, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien qui se passe dans la vidéo. C'est-à-dire que je suis complètement en roue libre. Donc voilà. Les gars, je pense que je vais m'arrêter là, juste pour ma santé mentale. Je sais que des gens font ça à longueur de journée, vous êtes juste des gros fous. Je dis ça parce que je peux pas dire d'insultes, mais vous êtes des gros tarés. Si vous êtes restés jusque là dans la vidéo, sachez que j'ai les yeux explosés. J'ai fait ça seulement pendant même pas une heure. Je pense que je vais refaire ça ensuite, je vais terminer la vidéo, faire le montage et je vais recommencer à monter la vague. Je me dirige tout droit vers une ascension fulgurante vers le bas de Kama. Je pense que ça, c'est ce qui peut me ruiner littéralement. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On a fait 40 petites tentatives. J'essaie quand même de vous proposer des contenus diversifiés. Puisque j'essaie de... Ouais, j'essaie de... J'ai plus de cerveau, les gars. Si vous êtes arrivés jusque-là dans la vidéo... N'hésitez pas à commenter orthophoniste. Je le veux avec la bonne orthographe, les gars. Qu'on soit très clair. Je vous fais des très gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Et surtout, dites-moi si vous voulez que je refasse ça en vidéo. Bisous.